bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien, car moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015 pour un premier test de mode. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc le camion Volvo FH16 750, voilà. Donc qui est un camion qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps de ça, avec derrière un porte-char Kaiser, voilà, donc, qui a l'air plutôt bien fait. Après vous allez me dire, il y a déjà un porte-char dans le jeu, mais celui-là en fait, si vous voulez, je voulais tester, voir si, cette machine-là, elle tenait bien dessus, car sur l'autre du jeu, on a du mal à la faire monter dessus et tout, et elle tient pas très bien. Donc du coup je me suis dit, tiens, je vais tester sur ce porte-char-là, voir si ça fonctionne bien. Donc là on voit qu'il est plutôt bien détaillé, hein, pour un des premiers modes sur FS15. Il reste quand même assez correct avec la petite plaque convoi exceptionnelle, les deux petits gyros de chaque côté, des petites sangles ici pour tenir, donc c'est franchement plutôt bien fait. Donc on va aller voir un petit peu à l'intérieur du Volvo comment il est fait. Donc franchement, niveau intérieur ça va, tableau de bord plutôt bien fait, un petit peu pixelisé je trouve. Je trouve que les textures sont un peu bizarres, on dirait des petits points partout, ça, ouais, regardez derrière là. C'est pas terrible terrible, là on a même un petit lit si jamais on a envie de dormir. Mais voilà, sinon c'est niveau texture, bon ça va. Bon après le compteur fonctionne, voilà. On peut reculer, voilà, il fonctionne. Il y a même un petit GPS, mais bon il fonctionne pas. On a donc les gyrophares qui fonctionnent, les clignotants, voilà, les warnings. Même sur la remorque, hein, les petits gyrophares qui fonctionnent. Ensuite, donc quand vous appuyez sur X, vous dépliez la... Donc on voit la petite animation là, des sangles qui se rabattent vers l'avant. Et vous dépliez donc la remorque, le porte-char. Donc on va tout de suite essayer de voir si ça fonctionne bien. On va prendre notre petite ponce scorpion. Voilà, je commence à maîtriser, ça va. Malgré que le jeu soit sorti juste d'hier. Donc hop, on va y aller en marche arrière, voir ce que ça peut donner. Donc je teste en même temps que vous, hein, j'ai encore jamais testé. Par contre, ouais, on n'a pas assez de puissance pour monter. C'est tellement raide, on va essayer de prendre un petit peu d'élan. En prenant de l'élan, c'est bon. Donc hop, ensuite on recule jusqu'au bout. Et voilà, là c'est bon. Ensuite on dépose le bras. Voilà. Donc là on voit que ça a l'air de plutôt bien tenir. Hein. Là, elle a l'air d'être assez bien mise. Donc bah, on va essayer, on va aller rouler un petit peu avec. Histoire de voir si ça tient bien. Alors, bah pour des replier, c'est pas plus compliqué. On appuie sur X. Voilà. On va mettre les gyrophares parce que là, on a de quoi. Et voilà, c'est parti. Donc aussi, quand on tourne, normalement, il y a les remorques, là, il y a les roues de la remorque qui tournent. Voilà, là, on voit qu'elle tourne les roues de la remorque. Bon, là, on peut pas très bien voir parce que il y a la vue qui est un peu chiante là quand je passe derrière le camion. Mais voilà. Donc sinon, on va mettre ça juste pour voir à combien il roule. Donc il a une capacité aussi de 1208 litres. Donc ça a l'air de pas mal. Normalement il monte jusqu'à 62. Donc on va voir à peu près jusqu'à où il peut monter. Bon là pour l'instant on voit que ça a l'air de plutôt bien tenir. Ouais, ce que je vois ça a l'air de bien tenir, donc ça va. Aussi on voit que les scripts pour que ça fasse des traces sur le parterre a été fait aussi, donc c'est plutôt bien. Là on va essayer de voir si dans le virage, si ça part. Ah ouais, ah ouais, c'est dommage. En fait faut pas venir trop vite. Mais par contre là je vois plus rien. Voilà, faut pas venir trop vite en fait. Bon là on voit que ça braque bien quand même la remorque, mais là on est venu un petit peu trop vite. Ouais, bon, mais c'est pas grave. Aussi donc, parce que moi j'ai mis du temps à trouver les modes. En fait, c'est faut aller après les marques, et voilà, vous avez la catégorie mode, et là c'est dans divers. Donc vous avez donc le Volvo qui a une puissance de 750 chevaux. On voit que la remorque a été faite pour, parce qu'il faut une puissance de 750 chevaux pour la tirer. Donc voilà, donc bah moi sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce premier petit test de mode vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao les amis!